Alors, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs aussi pour cette merveilleuse rencontre qui est déjà très enrichissante ce matin, qui nous permet de toucher à tant d'aspects de la question. J'aimerais aussi remercier tout particulièrement Erika Wicki qui m'avait encouragé à proposer cette communication que je vous présente maintenant. Et en fait, je vais changer de mode parce que nous avons eu des présentations d'une densité remarquable qui s'étale sur des périodes qui vraiment font vivre voilà, une temporalité très intéressante pour les sujets qu'on nous a présentés. Mais moi, je vais vous ramener à un nœud, vraiment un moment. J'ai apprécié ce qu'a dit Bertrand Gervais tout à l'heure sur l'archéologie du contemporain. Moi, j'essaie de faire cette archéologie d'un moment. Je ne marche pas dans les plates-bandes de la caricature aujourd'hui, mais plutôt dans un moment de constitution de l'histoire de l'art du Canada avant qu'il n'y ait de discipline d'histoire de l'art du Canada. C'est comment se construit l'imaginaire, les images, des traditions, des pratiques artistiques, mais avant qu'on les ait codifiées. C'est ça qui m'intéresse et c'est un peu de ça que je vais vous parler dans ce moment-ci. Et je vais vous parler surtout d'une personne qui ne figure pas dans le titre de la présentation, mais qui s'appelle Honoré Beaugrand, qui a été maire de Montréal, journaliste, propriétaire, éditeur de journaux, fondateur d'un journal satirique par ailleurs, mais aussi d'un quotidien qui a eu une très longue fortune, La Patrie, qui a beaucoup voyagé par le globe à la fin du 19e siècle, avant son décès en 1906, et qui avait vraiment une curiosité encyclopédique. Et c'est cette curiosité-là qui est mise en valeur ici. En 1904, l'écrivain canadien Honoré Beaugrand fait paraître à Montréal le recueil « New Studies of Canadian Folklore » chez l'éditeur E.M. Renouf. Conçu comme un ouvrage de luxe, à la typographie et aux décorations soigneusement préparées, l'ouvrage est effectivement un mélange qui joue sur plusieurs modes de littérature et de mémoire qui font vibrer et s'harmoniser des cordes de l'identitaire et de l'imaginaire du Canada français en particulier, mais pas uniquement, avec tout ce que ces cordes doivent jouer sur des registres souvent très mobiles de temporalité, d'espace et de culture. Le recueil donne à Beaugrand l'occasion de regrouper trois études qu'il a déjà préparées dans d'autres contextes, qu'il inscrit dans le propos annoncé par le titre de l'ouvrage, dans le sens où il s'agit d'enquêtes ou de tours d'horizon sur des lieux de transmission de savoir qui se rattachent soit aux croyances, soit aux formes de représentation graphique du monde, tout en rattachant à celle-ci un quatrième texte qui propose, sous la forme d'une historiette d'amour, d'amener ses lecteurs du côté de la vie sentimentale canadienne-française. C'est le texte « Indian Picture and Symbol Writing » qui occupe par ailleurs la majeure partie du volume qui va retenir mon attention ici. Dans ce texte, Beaugrand reprend des propos qu'il a livrés 11 ans plus tôt. Donc le moment dont je fais l'archéologie est un moment en deux temps, 1893, le moment de l'American Folklore Society, et 1904, le moment de cette publication. Chose qui nous indique clairement, une fois qu'il a fait, dans la première moitié du texte, un tour d'horizon des formes de communication symbolique matérielle utilisées par des civilisations amérindiennes, depuis le Pérou jusqu'au territoire investi plus récemment par les États-Unis. Beaugrand veut se concentrer sur ceux qu'il nomme « the Hurons » or « the Wyandot tribe », c'est-à-dire les Hurons-Wendat, qui avaient été rapatriés à la région du Québec par les Jésuites suite au massacre effectué par les Iroquois à la fin des années 1640. Me permettre de le lire en anglais. We shall now speak of our Canadian Aborigines and of their picture writings, if we can call them so. The idea of this paper was first conceived some years ago while the Montreal Folklore Society was in existence. But the text has been altered, revised, and new important documents have been added in the shape of maps and treaties bearing the signatures of noted Indian chiefs who figure preeminently in almost every page of the history of Canada of the 17th and 18th centuries, under the French regime. Les quelques années de cela évoquées par Beaugrand nous ramènent en effet au 13 septembre 1893, alors que les membres de la succursale montréalaise de la American Folklore Society, société qui avait été fondée à Boston à peine 5-6 ans plus tôt,
et dont mon Beaugrand était un membre fondateur pour la succursale montréalaise l'année précédente, se retrouvent de nouveau ensemble le temps d'une soirée conviviale. Organisée dans le cadre de la présentation à Chicago dans la même année de l'exposition universelle Columbians World Fair, la soirée est l'occasion d'un entertainment. Le programme est riche d'expériences qui conjuguent le mémoriel au sensoriel. La thématique conjugue à son tour, tout comme le fera l'ouvrage New Studies in Canadian Folklore, les références aux identitaires canadiennes-françaises et autochtones. En 1893, Honoré Beaugrand présente une communication intitulée Indian Writings and Hieroglyphics. Vous avez ici un relevé du programme de l'événement. Indian Writings and Hieroglyphics Illustrated by Lantern Views. Vous voyez le lien avec notre colloque. Celle-ci est suivie d'une performance chorale, Old Canadian Folk Songs, under the direction of H. Saint-Pierre. C'est un certain Henry Saint-Pierre, dont l'appel à l'imaginaire sonore trouve son écho, pour ainsi dire, dans le troisième item, c'est Lantern Views of Street Criers, with the Street Criers reproduced by phonograph. Le tout se termine par une General Conversazione. Ce sont les deux ensembles de Lantern Views présentés lors de cette lointaine soirée qui forment le point de départ de mon enquête. Mais plus précisément, aujourd'hui, je vais m'attarder à une réflexion sur les Lantern Views d'Honoré Beaugrand. Je chercherai dans cette présentation à donner forme, d'une part, à ses écritures hiéroglyphiques autochtones dont il avait été déjà question en 1893, et d'autre part, à imaginer comment les représentations de métiers urbains par lesquels l'imaginaire montréalais a été le lieu d'une réinscription d'anciennes pratiques visuelles et orales liées à l'identification sociale. Mais dans ma conclusion, je vous montrerai que cette seconde partie sera pour une autre fois. Il y a encore de la recherche à faire. Les Lantern Views, voilà, de Beaugrand, comme tels, ne nous sont pas parvenues. Enfin, on ne les a pas trouvées encore. Mais je crois qu'on peut dire qu'elles sont présentes à la conception du chapitre Indian Picture and Symbol Writing qu'il publie en 1904. S'il nous dit, comme nous l'avons entendu, qu'il a mis à jour son texte et qu'il a enrichi de documents sous forme de cartes et de traités qui portent les signatures des chefs importants, des chefs autochtones importants, il n'en demeure pas moins qu'une partie importante, ce qui a été enrichi en soi, est ce corpus iconographique dont il s'était servi lors de la première présentation 11 ans plus tôt. Et c'est là-dessus que je vais me pencher, plutôt que sur les cartes et sur les autres ajouts de l'enregistrement. En fait, l'articulation des images au texte retient toute la structure d'une présentation orale, lue à partir d'un texte, illustrée par des diapositives. Beaugrand met en scène, pour nous présenter une forme pictographique de l'histoire du Canada, une série de figures qui dit être « faithful reproductions of drawings made over 225 years ago by old French travelers and chroniclers ». Donc ces reproductions fidèles qui datent de plus de 225 ans par ces vieux voyageurs, nous amèneraient donc à un registre iconographique datant au plus tard de 1679. Beaugrand nous renvoie à des sources dont les principales à l'intéressé sont Gabriel Sagard, Le Grand Voyage au Pays des Hurons de 1632, le journal d'une expédition contre les Iroquois de 1687 du Chevalier de Bougie, mais surtout les mémoires du baron Lahontan, datant de 1698. L'objectif de Beaugrand est de raconter l'histoire par recours aux inscriptions pictographiques relevées par ces vieux voyageurs. Et l'histoire qu'il va raconter sert à faire figure d'acte fondateur, car il va raconter un moment où les Canadiens, les Français, on s'entend, et les Hurons-Wendat se sont unis pour aller en guerre contre les Iroquois. D'abord, il cherche à établir l'autorité de la position qu'il défend, de sa position de dénonciation, en établissant une lecture et donc une reconnaissance pour le lecteur et pour lui-même des différentes nations qui existent à l'époque par la lecture de leurs emblèmes ou de leurs totems, comme il les appelle. Ainsi, sa narration s'attache à présenter tout d'abord les tribus les plus connues de la Nouvelle-France et de la Nouvelle-Angleterre. C'est ce que vous voyez déjà à l'écran au pied de cette page, les emblèmes des Ottawa, les quatre reines cantonnées,
et des Hurons-Wendat, le castor sur sa hutte. Et ensuite, il nous promène à travers d'autres emblèmes. Je ne vous lis pas le texte, mais c'est un document que vous pourrez trouver en ligne. Mais il nous présente ici les Illinois, le papillon sur la feuille de hêtre, les Dakotas, vous avez le petit écureuil sur son, hein, les renards et les Ojibwas, hein, le symbole de l'aigle sur la montagne, pour compléter son tour d'horizon avec les Potawatomi et les Oumani. Tout à coup, Beaugrand change de temporalité, il passe de cette présentation d'emblème à une temporalité hybride qui that shifts from one paragraph to the next, invitant le lecteur à l'accompagner dans un présent double ou multiple auprès des guerriers autochtones qui s'installent tout à coup au pied de la montagne, près des tours qui marquent encore l'enceinte du Collège de Montréal, vous pourrez aller les voir sur la rue Sherbrooke, alors qu'un chaman s'empare de l'écorce d'un arbre sur lequel il s'inscrit à partir d'une encre faite à partir d'un mélange dont il a le secret, des figures qui établissent les étapes de la campagne guerrière, du raid qui va être amorcé contre les Iroquois, qui sont à quelques lieues de l'endroit où on se trouve. Il doit donc nous montrer les blasons des forces qui s'unissent, la France et les Hurons-Wendat. Et il nous montre des emblèmes où chaque élément, donc autour du blason central, vous avez un signe qui équivaut à une dizaine de guerriers. Donc on a 9 et 9, donc 18 fois 10, 180 guerriers. Et à droite, des Français, et à droite, la milice Huron-Wendat, qu'on calcule de la même façon. Et au fil des pages, l'histoire qu'il nous raconte, et je ne reconstitue pas exactement le ton, mais il faut s'imaginer une présentation un peu comme nous sommes en train de faire ici, sauf que je serai de l'autre côté de la salle, en pleine noirceur, en train de vous projeter et de remplir la salle avec une narration. Les signes, les emblèmes par lesquels il se promène, il nous promène, reconstituent le départ de Montréal. Vous avez l'aigle qui quitte les deux monts de Montréal. C'est la lune de juillet. Nous partons en canot pendant 21 nuits. Il y a des campements à chaque jour pour arriver vers l'ennemi. Ensuite, une marche pendant 7 jours pour arriver vers l'ennemi. Et tout à coup, on voit qu'à 3 nuits encore, 3 jours encore, l'ennemi est là et que c'est eux qui nous... les Iroquois, on s'approche d'eux et les voilà, ils sont endormis, c'est la nuit, et vous voyez les flèches qui commencent à se heurter, c'est la bataille qui est engagée. Finalement, il y a une série de flèches qui vint sur l'autre, et nous avons le bilan des guerriers morts d'un côté et de l'autre. Et le retour à Montréal, l'aigle qui revient, la montagne aux deux monts. Bien sûr, il y a un jeu assez plastique avec les conceptions de l'histoire et de l'actualité qui ressort de cette narration. Je pense qu'on est en droit, cette fois-ci, de réfléchir sur l'identité du narrateur. Si on peut accepter que Beaugrand, qui écrit le texte publié en 1904, est celui qui en a présenté l'essentiel sous cette forme de présentation audiovisuelle en 1893, je crois qu'on peut entendre dans le texte, si on se permet de le lire presque à haute voix, je vous invite à le faire un jour, l'archive où sont récupérées les traces d'une soirée longtemps révolue, mais dont l'effet semble être précieux encore pour ce narrateur qui se révèle conteur avant tout. Car après tout, il a conservé dans le texte écrit une grande partie de la spécificité du texte dit, mais surtout du texte dit en compagnie d'images projetées, jusque dans les effets rhétoriques du conteur qui bonimente l'image projetée sur le mur. En fait, quand il nous amène devant le campement des Iroquois qui sont tous endormis, ce que dit, et là je pensais pouvoir le lire à l'écran, mais mes lunettes ne me le permettent pas, mais je le fais de souvenir,
sa narration se ralentit jusqu'au point où il dit, dans le texte écrit, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc le travail sur la temporalité même du récit oral est réinscrit dans le texte. C'est ça qui nous permet de croire à la reprise du texte même de 1893 dans la publication de 1904. Rappelons-nous donc, en réfléchissant sur ces effets rhétoriques, de la manière que Beaugrand nous accompagne dans l'énumération de chacune des dizaines de guerriers iroquois, comme pour nous ralentir à l'observation attentive qu'il faudrait faire si, cachés dans les bois, nous étions nous aussi espions des victimes encore endormies. Au-delà de tout romantisme qu'on attacherait à cette stratégie du conteur, il y a aussi lieu de songer à ce que fait l'image projetée, à l'organisation narrative de l'histoire, tout comme il y a lieu de songer à ce que fait l'organisation narrative de l'histoire à l'image, que l'image soit texte, représentation figurative, pictographie, emblème. C'est la zone de l'immatérialité, de la lumière, qui accueille et qui transforme, grâce à la lumière dissolvante, certaines des restrictions imposées par les temporalités de la narration, qui les transforme en ce qu'elles semblent projeter non seulement d'images, mais des conditions de possibilité qui permettent à la représentation imagée de faire sens des temporalités superposées, vécues à l'endroit comme à rebours de l'aujourd'hui, de l'hier. Le saut qu'il faut faire, bien sûr, pour restituer la plénitude de la condition de présentation de Beaugrand en 1893, lorsque ces Indian hieroglyphics sont présentés avec des lantern views, est le saut qui reconnaît que la transposition et la projection que je recommande ici, depuis le texte de 1904 vers la présentation audiovisuelle de 11 ans auparavant, ne peut être complétée que si on y rattache l'évocation de la noirceur, de la voix de l'auteur, du silence et de l'activité mentale, l'imaginaire activé de l'écouteur. Je touche ici à la pratique de l'histoire de l'art, dont je trouve en Honoré Beaugrand, qui n'était pas apparemment un historien de l'art, mais que je trouve dans lui, et non pour la première fois, un pratiquant peut-être malgré lui de la discipline avant la discipline. C'est peut-être le comble de l'ironie d'en parler comme d'un tel pratiquant, lui qui, donc, comme je disais, était ancien maire de Montréal, future station de métro par ailleurs, fondateur de, ce journal La Patrie, voyageur constant, mais je ne vous avais pas dit qu'il était aussi franc-maçon, libéral, déiste, farouchement anticlérical, hein, dans un moment très ultramontant dans l'histoire du Québec. C'est Honoré Beaugrand qui a été journaliste, conteur, archiviste de ces histoires par lesquelles les « folk » ne sont pas tant en train de se définir qu'ils sont en train de vouloir laisser des traces, d'avoir déjoué quel que soit le diable ou l'ombre dans la nature humaine. Son histoire la plus connue, la chasse-galerie, telle qu'illustrée par son ami Henri Julien, en était un exemple retentissant. C'est là aussi une œuvre qui a transité par la American Folklore Society en version anglaise avant de retrouver une diffusion nord-américaine dans le Century Magazine à l'été 1892. Dans la soirée du 13 septembre 1993, il était aussi question de lantern views de street criers, with the cries reproduced by phonograph. Reconstituer cet autre corpus sera pour une autre fois, mais je vous donne quand même un petit coda. On s'imaginerait aisément des images de la trempe de celle-ci, dont les sources remontent l'histoire de l'art européen, pour former justement une des pierres angulaires de la répertoire, de la représentation sociale figurée, pour trouver amplification que leur accorde l'accompagnement sonore placé dans une nouvelle matérialité mécanique analogique. C'est une pratique qui s'est donc retrouvée à Montréal chez la maison Notman, ce vendeur de autochtone, mais aussi ce vendeur de journaux, une figure qu'on va voir traverser le siècle jusqu'au début du XXe siècle. Ainsi, à l'heure des transformations technologiques qui ont traversé le XIXe jusque dans le XXe siècle, l'iconographie visuelle appelant à l'iconographie sonore, la soirée de l'American Folklore Society à Montréal, convoquée en un lieu précis et en un bref moment, différents indicateurs de la vision anthropologique d'un folk canadien.
canadiens, français et autochtones surtout. Abrités dans les dispositifs de l'enregistrement, de la projection lumineux et photographique, ils ont servi, je crois, à dessiner le seuil d'une conception de l'histoire canadienne et de l'histoire de l'art canadienne, encore en émergence. La formation de récits identitaires dépendait de la mobilité, mais aussi, comme je crois que nous l'avons vu aujourd'hui, de l'intermédialité de ces mêmes dispositifs qui rendaient performatives ces documents d'archives. Merci.